À la maison avec les enfants, et mes plus prochains étaient à la fois les enfants et mes voisins. C'était la prise de responsabilité, savoir que j'étais chez moi la seule à pouvoir essayer de mettre de l'extraordinaire dans l'ordinaire, à essayer d'insuffler de la vie, à être proche des enfants, essayer d'écouter leurs désirs. Il me semblait que c'était important. Parfois certains avaient besoin de temps pour faire de la musique, d'autres pour avoir une aide pour le travail. Écouter aussi mes désirs, parce que je me suis rendu compte pendant ce confinement que j'avais un besoin de création, de créer chaque jour. Et je me suis autorisée à faire un peu de chansons, des parodies de musique, de la peinture. Et je me suis rendu compte qu'en fait le Seigneur me disait: qu'est-ce que tu fais de tes dons? Je vois le jour d'après comme un enracinement et puis comme une diffusion. Parce que si ce n'est pas nous qui le faisons, personne ne le fera à notre place. Et ça, c'est vraiment ce sens de la responsabilité que j'avais sans doute moins, avant. La phrase de l'Écriture sainte qui m'est venue dans le cœur, c'est une phrase de l'Apocalypse qui dit « Voici que je viens faire toutes choses nouvelles ». Et c'est croire que, oui, le Seigneur, il est capable. Nous, on n'est pas vraiment capable parce qu'on a nos déterminismes. Et puis, on pense que parce que ça fait un mois que ça dure ou que ça fait un an que ça dure, ça va être toute la vie comme ça. Et en fait, c'est rentrer dans un autre temps, c'est rentrer dans le temps de Dieu. Et finalement, ce confinement nous a montré que l'invraisemblable a pu se réaliser sur bien des aspects. Parce que c'est quand même le ressuscité, c'est quand même le premier ressuscité qui me le dit. Je le crois ou à moitié? Non, je décide de croire qu'effectivement il peut faire toutes choses nouvelles, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Merci Isabelle. Avec joie.